Toute la foule est animée, tous les joueurs déterminés. Allez les high five, montrez-nous vos capacités. La foule est animée, tous les joueurs déterminés. Basket, êtes-vous vraiment prêt à remporter la basket? Êtes-vous vraiment prêt à remporter la basket? Notre équipe est une famille, faut gagner pour nos amis. Et la victoire nous anime, car on a peur de personne. Parfois l'espoir est fragile, on ne lâche pas, on agit. Car le basket est magique, et on a peur de personne. Sur le parquet, prêt à gagner sous le panier, on n'a peur de personne. Êtes-vous vraiment prêt à remporter la basket? Hey, qu'est-ce que vous faites? Je croyais que vous aviez laissé tomber les entraînements. On ne s'entraîne pas, coach. On prépare notre tactique psychologique. On a enfin découvert le point faible des High Five. Et on va pas les rater. Regardez le nombre de coupes de basket que les geeks ont gagné. Et de prix scientifiques aussi. Vous pouvez admirer nos trophées. Ah, Léo, t'es lourd. Oh, ça va, j'ai pas fait exprès. Si on peut plus s'amuser. Les geeks ont gagné tous leurs derniers matchs grâce à leurs inventions high-tech. Regardez. Il y a leur basket kangourou, leur t-shirt magnétique et leur bracelet attrape-ballon. Les geeks vont pas être faciles à battre. Paniquez pas, c'est vraiment pas des bulldozers. On va en faire qu'une bouchée. Je crois pas que tu te rendes compte, Léo. Ce sont de vrais génies. Stop, 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 stop. On reste calme. Vous vous rappelez ma devise? Ne jamais manger de chili avant un match important. Exact. Non, pas celle-là. Le meilleur moyen de perdre un match, c'est de partir avec un moral de perdant. Alors, on se calme et on réfléchit. Attendez, je pense à un truc. D'après le règlement de la BASCAP, quand une équipe se sert de matériel inédit pour s'entraîner ou jouer, l'équipe adverse a le droit de réclamer et d'utiliser le même matériel. Donc, on a juste besoin de savoir quel gadget les geeks ont inventé. Et on pourra l'utiliser aussi. Bravo! Bien joué, Stella. Génial! Notre objectif, enquêter pour trouver quelle est la nouvelle invention des geeks. N'importe quoi! On ferait mieux de s'entraîner normalement. Ok, Mike et Mia, vous collez l'équipe pour voir ce qu'ils fabriquent sur le terrain. Rudy, tu vas faire un tour à leur hôtel pour essayer de prendre des infos. Et hop, j'ai l'adresse de leur hôtel. Hé, regardez, Lotari, fan de basket, comme sur BlueTube. Oh, mais regardez-moi. Léo, arrête, on réfléchit là. Enfin, on essaie. Oh, Léo, t'es lourd. Bon, moi je fais quoi dans votre enquête? Tu continues à faire le crétin dans ton coin, si tu vois ce que je veux dire. C'est sympa de me laisser sur la touche, merci. Tu l'as cherché, Léo. À leur place, je t'aurais fait manger ton ballon. Fais un petit effort pour être en phase avec l'équipe, et ça se passera nickel. Ah ouais? Comment tu veux que je sois en phase avec eux? Ils savent pas s'éclater. Regardez, ils sont en train de tester leur nouveau gadget. C'est quoi ce truc? Si vous jouez avec pendant le match, on a le droit de l'examiner. C'est l'article 388 du règlement de la BASCAP. C'est juste un chat électronique, pas une invention pour gagner. Ça devait être notre mascotte, mais il a trop mauvais caractère. On va le débrancher du coup. Regardez, moi il m'aime. Cadeau, il est à toi. Allez, je l'adopte.
Mademoiselle Stella. Ah, oh, un bouquet de clés USB. On suit tout le temps tes exploits sur le site de la Basecap. On est super fan. Quel talent, quelle beauté, quelle grâce, quelle intelligence. Arrêtez, c'est trop. Stella, je viens de me procurer les interviews des prix Nobel de physique des 10 dernières années. Ça te dit de les regarder avec moi cet après-midi? D'accord. Oh, c'est facile de faire craquer les filles quand on est le capitaine. Mais ils sont toujours dingues de toi, ma parole. Mais t'en as jamais rien eu à faire, Derek. Non. Comment ça se fait que t'ailles passer l'après-midi avec lui? En tête à tête avec Eric, je vais peut-être pouvoir lui tirer les vers du nez sur la dernière invention des geeks. Oh! Chut, le voilà, c'est pas le moment d'en parler. Le basket avant tout. Mes copains sont super jaloux, ils voulaient tous venir avec moi. Qu'est-ce que tu dirais d'un petit match de basket rien que nous deux? En mode virtuel, bien sûr. Super écran! C'est parfait pour regarder la vidéo de la remise des prix Nobel de physique. Trop top! Ils travaillent sur votre nouvelle invention, tes copains? Oh non, ça fait longtemps qu'elle est au point. Hé, hey, je te vois venir gros comme un virus avec tes questions. Oh. Aïe! Oh, excuse-moi! C'est sûr, c'est la bonne chambre. Oups. Tu fais quoi, là? Tu espionnes? Les geeks vont pas tarder à sortir leurs gadgets et là, va y avoir de l'action. Allez, mission d'observation. C'est trop naze. On n'a pas l'ombre d'un micro-gadget à se mettre sous la dent. Que tu es génialement mûr pour ton âge. Statistiquement, tu seras un champion dans peu de temps. Ouais, en plus, j'ai inventé une nouvelle passe de ouf. Regarde. Qu'on ne risque pas de perdre. Oups, j'ai rien dit. Oh, des gants spéciaux. La voilà votre dernière trouvaille. Je t'adore. Oh. Waouh, j'ai jamais réussi un tir pareil, moi. Ils sont trop forts, ces geeks. Plus que tu ne le crois. Oh. Il est encore là, lui? Tiens, regarde, Stella a trouvé le gadget des geeks qui va t'éclater avec ses doigts de fée. Mais c'est un truc de tricheur! Réorganisez le jeu comme je vous dis et vous verrez, on va gagner. T'écoutes jamais rien et maintenant tu nous donnes des leçons. Ah, en attendant, j'ai inventé une passe de malade. On ne peut pas perdre.
Alors écoutez-moi pour une fois. T'es nul en tactique. Va jouer avec ton chat et laisse-nous bosser. Espèce de petit chef, puisque c'est comme ça. Léo, t'énerve pas. Si tu veux, on la travaille tous les deux, ta passe. Juste pour info, nous n'utiliserons pas ces gants magiques pour le match. Ils ne sont pas assez performants à notre goût. Quoi ? Hey ! Il en a que pour Léo, cet animal ! Au moins, il y en a un qui fait gaffe à moi. Mais moi aussi, je fais gaffe à toi. Alors, les enfants, c'est quoi le programme du jour? On passe à l'hôtel des geeks pour les prendre en filature. On finira par le trouver, leur gadget mystère. Ok, on se retrouve à 11h pour l'entraînement. Ben, comptez pas sur moi pour vos enquêtes débiles. Mais viens, même si c'est pas génial, les enquêtes, on va bien rigoler tous ensemble. On va suivre ces trois-là. J'espère que Stella arrivera à coincer les deux autres. Oh, Stella, c'est cool que tu passes nous voir. On se fait un match de basket virtuel ? Terry, c'est zone interdite au high-five ici. Tu vas pas laisser entrer l'espionne numéro 1 ? En attendant l'espionne, tu l'as bien eu avec tes gants. Tu t'es jeté dessus, j'allais pas t'en empêcher. Allez, à plus. Mais... Elle a rien compris à notre combine. Le grand cerveau des High Five est quand même super ramolli. Ouais, en attendant, on vient de laisser filer une fille méga canon. Oh, vite, dans le bus. Oh, on s'est bien fait rouler. Stella, désolée pour tout à l'heure. Eric est pas toujours très cool. Bah, on est adversaire, c'est normal. Juste le temps du match, parce qu'après, on pourra organiser un truc, si tu veux. D'ailleurs, j'y pense, Stella, ça veut dire étoile. On pourrait aller au... Planétarium ! Nous aussi, on veut aller au planétarium avec Stella. Genre, on va pas te laisser regarder les étoiles seule avec elle. Heureusement qu'on intervient. On a bien senti que tu allais te laisser emporter par ton cerveau émotionnel, patate. Terry, tu voulais m'emmener au planétarium ? Mais... Comment ils l'ont deviné? Tu ne l'avais même pas dit. Bon, bah c'est pas tout ça, mais faut qu'on désodorise nos baskets avant le match. Faut se fasse beau et tout ça. Mais vous avez lu dans les pensées de Terry? Au plaisir, Stella. On se tient au courant. Vous restez. Et ça, c'est quoi? Des oreillettes qui décodent des ondes cérébrales. C'est la seule explication. Grâce à ce machin, c'est comme si vos cerveaux étaient reliés en réseau, c'est ça? Comme si vous faisiez de la télépathie. Ça doit être utile pendant un match, ça. Qu'est-ce que t'es intelligente. Bien joué, voilà les oreillettes. Stella, t'es la plus forte. Ils nous ont bien bluffé, ces geeks. Mais on aura fini par les avoir. Elle est dément, leur invention. Avec ça, rien ne nous résistera. Les High Five, toujours au top. Vous oubliez qu'il manque quelqu'un. Léo, le pauvre, il faisait une de ses têtes ce matin. On n'a pas été sympa avec lui. On l'a laissé seul. C'est vrai, j'ai été très dur avec lui. Hey, Léo, t'es seul? Des fois, je me demande si je fais encore partie des High Five. Léo ! Léo, essaie de t'intégrer au lieu de rester tout seul dans ton coin. J'ai essayé, mais ils ont pas voulu m'écouter. Essaie de rétablir la communication. Les autres aussi ont l'impression que tu ne les écoutes pas, tu sais. Mais c'est pas de ma faute s'ils s'intéressent qu'à des gadgets pourris. Et je suis pas d'accord avec eux. Je dirais que y a plus que toi qui me comprends. Hé, Tony !
Ça y est, on tient le gadget des geeks. Grâce aux oreillettes, on devrait être super coordonnés sur le terrain. Fais pas la tête, viens t'entraîner avec nous. Allez, Léo. Hé, hey, Léo, viens essayer ces oreillettes, ça va tout changer pendant le match. Mais je vous dis que ça m'intéresse pas, ces machins électroniques. S'il te plaît, fais un effort. Tu veux pas jouer collectif pour une fois? Je vois pas l'intérêt, j'y crois pas. Mais pourquoi t'es comme ça, Léo? Tu fais aucun effort alors que nous on en fait, t'exagères. Même toi, t'es contre moi. Nous en mettre plein la vue. Ouais, dis ça, Léo. Je suis pas crâneuse. Rudy un petit peu, mais pas moi. Bah merci tous les deux. Comme sur des roulettes. Tout pourri, c'est ma passe qu'on aurait dû faire. Pourquoi il est comme ça, Léo? C'était mon pote avant. Mi-temps. Y a rien à faire, on n'y arrivera pas. Vous avez 10 minutes pour vous ressaisir, les High Five. Tu vas arrêter de saboter le jeu? Tu veux qu'on perde le match ou quoi? Mais j'y peux rien si je pense que je pense. Et maintenant, les High Five t'accusent de leur défaite. Tu sais, tu ferais mieux de t'en aller. Tu crois? Je sais pas s'ils t'aiment vraiment, tu sais. Je comprends pas qu'on se dispute comme ça avec Léo. En plus, si on continue comme ça, on remontera jamais le score. C'est trop bête. Je vais le chercher. Je viens avec toi. De toute façon, ton équipe te déteste. T'as compris? Mais qu'est-ce que... Vous allez pas me laisser dehors? Ouais, bon, j'ai un gadget qui parle et alors? De toute façon, je quitte l'équipe. Voilà. Oh. Attends, Léo, ce chat était en train de dire du mal de nous. Et comme par hasard, il a été mis au point par les geeks. Il est peut-être bourré de micros. Il n'y a qu'une façon de le savoir. On le dissèque. Pas touche à mon chat. C'est le seul qui fait attention à moi. Ça, on va le savoir rapidement. Ils sont où, les geeks? Le chat a perdu le contact. Mais c'est pas grave. Grâce à lui, on a eu le temps de convaincre Léo de quitter l'équipe. On va gagner les doigts dans le nez. Bande de tricheurs. Ils vont me le payer. Attends, la vengeance est un plat qui se mange froid. Je me suis laissé avoir comme un idiot. Ce chat me disait que j'étais génial, alors je l'ai écouté. Oh, vous aviez raison, je suis nulle. Mais on n'a jamais dit ça. T'as pas assez écouté, alors que c'est toi qui avais raison. Les gadgets, c'est nul. Désolé, petit frère. Allez, high five. Toujours en tête. On renonce aux oreillettes, on préfère jouer au naturel. Petit souci de concentration, sans doute. Tout le monde sur le terrain! Ça
rancune, les geeks. Vous êtes vraiment trop forts. Mais toi, tu es le plus mignon. Oh. Hey. Oh. Bien joué, Léo. J'en reviens pas. Tellement embrassé, moi. T'emballe pas, mec. C'était qu'un hasard. Ben, j'aurais aimé que ce soit moi qui l'embrasse. Waouh, trop classe la passe, Léo. Concentrez-vous, on touche pas une balle avec vos pensées parasites. Dégage la balle vers moi, Thierry. Arrête de regarder Stella. Jamais de chaussettes. Stella te trouve trop nul. Et y'a quoi, mon gars? Tu putes